Hey, salut à tous, c'est Saran et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de ma série sur Inside, le jeu de Playdead. Ceux qui ont fait les beaux, j'arrête pas de le répéter, mais parce que je trouve ça trop cool, parce que c'est un très bon jeu. Et donc on est sur l'épisode 5, je vous invite à voir les anciens épisodes si vous savez pas où j'en suis. Voilà, parce que sinon on ne sait pas. Donc là, je sais pas s'il nous reste beaucoup d'heures de jeu, je ne sais pas du tout. C'est parti. Le bouton, il sert à quoi? Ok. Bien joué. Et on l'a eu. C'est détendu. Je suis mort là? Sérieusement? Mais c'est pas vrai. Mais non! Bah faut que je recommence. Super. Je suis mort parce qu'il fallait que je remonte vite à la surface. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Ah, il me saoule! Essaye de me choper là-dedans. Bon, ok, j'ai compris. Faut que je remonte le plus vite possible à la surface. Écoutez, si vous voulez. Hein. Non, le con. Mais c'est pas vrai. En plus, j'appuie sur Start en mode ah. Panique. Je me suis trompé de bouton, j'appuie sur A. Bon, il commence bien cet épisode, il est pas du tout répétitif, c'est cool. Où es-tu, Mego? Faut savoir que mon chat a très faim, là. Et comme il est au régime, il a pas le droit de manger, donc... Donc il attendra. Là, il zone partout pour avoir des croquettes. Ça n'a aucun rapport, mais j'essaie de combler parce que vu que c'est répétitif. Et les 10 pieds dans l'eau, voilà. Hop là, énorme coco. Ma cocotte. Non, faut pas que je me trompe de bouton. Le bouton c'est X. Ok, j'ai une espèce de lag, j'ai l'impression. Ok, allez. On fait X. On passe. Et on remonte direct. C'est bon. Tout va bien. Wow! Ça fait penser un peu à Portal, moi, le décor, là. Portal 2. Vas-y. Ah, la vache, j'aime pas ça. Je saute. J'ai toujours ce réflexe, genre, d'un moment. Ok. Porte de coffre-fort, un peu, on dirait. Non, mais ça va pas recommencer, ça. Faut me laisser tranquille, hein. Enfin, j'ai peur que ça pète sous mes pieds, ça. Ok. Donc là, on peut retourner dans l'eau. C'est sûr que c'est ça. Je pense qu'il faut faire la même chose que dans l'autre. Mais. Non, mais ouvre-toi. Mais pour ça, on n'a pas le temps de l'ouvrir et de la fermer. Donc je pense qu'il faut la fermer. Ok. Là, je l'ai ouverte. Je vais rattirer la bête. Si on peut appeler ça une bête par ici. Qu'est-ce que tu fais, Mego? Pardon.
J'ai des coups de nerf comme ça. Alors, du coup, c'est X et on se foire pas. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Je pense que je ne me suis pas trompé. Ok. Bon, attendez. Pour pas risquer de perdre d'oxygène, je vais y aller direct parce que plutôt que de faire des ronds. Ok. On va voir l'ombre. Ah, c'est beau. Non! Un peu sur le cul là. C'est magnifique en tout cas, mais si c'est la fin, c'est hyper badant quoi. Genre la fin d'un. Petit poisson vient de me voir. C'est sublime, hein. Sublime. What the fuck, c'est quoi ça? À la fin, hein. Non, oh là, oh là, ok, c'est quoi le délire? Je respire sous l'eau en fait. Ah, je peux me déplacer, ok. Et pourquoi je respire sous l'eau? J'en viens savoir, hein, en tout cas, c'est magnifique. J'ai pas du tout tilté que je pouvais jouer en fait, là, en mode, ouais, il se passe rien. Je suis pris du nez, excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler. Non, non, non. Mais go. Là, mais oui, mais là. En fait, il fallait que je remonte. Je dis là à chaque fois que je vois quelque chose. En fait, Ok, c'est des espèces de bureaux ou quoi, mais qui sont submergés par la flotte, en fait. C'est assez bizarre. On devine des corps en premier plan. Moi, je. Le premier, j'étais pas sûr, mais là. Parking souterrain, je dirais. Ok.
Non, je dois descendre, ok. Alors là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, de sortir immensément... tout petit dans un monde immensément grand, là, ça le fait carrément, là. Bon, bah écoutez, moi j'ai envie d'aller là-dedans, hein. Les poissons ne viennent pas. Choqué. 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 J'ai vu qu'on pouvait s'accrocher, ok, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça. Allez! D'accord, ok. Je peux passer pendant... Ok, j'ai compris. On va attendre que ce soit fini. Vraiment fini complètement, parce que sinon ça va embarquer en arrière. Hop, on y va. Cool. Je suis à deux doigts de me faire couper les pieds, mais cool. Ok. Waouh, c'est beau. On est dans le teint de sépia là, c'est vachement cool. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je puisse respirer sous l'eau? Par contre, moi, c'est la question que je me pose. Non, non, mais go, c'est pas le moment. Ah, il a envie de câlin, mon chat, hein. Il a surtout envie de bouffer, ouais. Gros morphale. Non! Tu me fais perdre! C'est malin! Les gens, ils sont témoins. Tu m'as fait perdre. Oh putain. Ok. Donc là, je viens de comprendre. Bon bah, allons-y, allons-y. Ah non, n'y allons pas, n'y allons pas. J'ai merdé. Je suis censé la tourner à quel moment la roue du coup moi. Il reste assez longtemps là-bas. Donc on va encore faire sens du mouvement des aiguilles d'une montre. C'est ça, et ça la déplace vers moi. Ok. Oh la vache! Non, 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 non! Non, mais ça me saoule. Ça ne veut pas. Non! Ah, c'est quelque chose ça. Ah, le con. Le con! Le con! Le con parce que j'étais pas loin. Donc le con! Le con! Le con! Ok, mais j'ai compris. Je crois pas que j'ai besoin d'aller très loin en fait.
Ok. Ok. Voilà, ok, c'est bon. Ah, je suis fier de moi. Là, théoriquement, je pourrais pouvoir sauter dessus, sauter de l'autre côté, nanana, nanana, ainsi de suite, pour être pote, pote, pote. Là, je peux sauter là-dessus, voilà, et là, sauter là-dessus, voilà. C'est ça. Dois-je sauter dans cette cuve? Ok, donc il n'y a rien. Mais en fait, je vais juste sauter dans la cuve, ça se trouve, pour pouvoir monter sur la cuve tout simplement. Mais moi, je me dis, allons voir dans cette cuve. Mais bah, si, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Alors, que se passe-t-il? Il y a un élévateur. Il y a un trou que je n'avais pas vu. Ouais. Là, je sauterai pas. Non. Je ne testerai même pas. Là, il y a un bouton qui ferme ça, d'accord. Pourquoi fermer ça? D'accord. Ok. Alors par contre, il y avait une gouttière. Est-ce que je pouvais faire quelque chose avec ça? Non, elle est en arrière-plan. Je n'ai rien dit. Donc voilà, donc là je peux re-rentrer dans la cuve, très bien, donc repartir et j'ai bloqué le trou. Par contre le trou, en fait j'aurais pu sauter par-dessus, donc je vois pas en quoi... À moins qu'il fallait traîner, chaud... Mais oui! Mais oui! Mais go, le chat a compris. Il faut tout simplement que je fasse sauter ça. C'est des corps qui sont accrochés là-haut? Sauf qu'il va falloir que je puisse le déplacer, pour ça il va falloir que je traîne une caisse. Je vois ça comme ça. Sauf qu'il y avait un trou. Et là il n'y a plus de trou. Ah. Ah. Ou pas en fait. Bah merde. Merde, merde, merde. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Je vais y retourner. Je vois pas trop ce que je peux faire d'autre façon. C'est bien beau de fermer cette trappe. Sauter ici. Mais ouais, je peux y aller en fait ici. Oh. Qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi la caméra prend du recul comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors. Ok, là on peut aller sur un truc. Yeah.
Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais la reposer par-dessus, j'étais vraiment en train de me dire, mais comment je vais faire après pour la déplacer? Mais là. Ok. Très bien. Comment? J'ai compris. Je la mets sur la pente. Je tire. Et elle devrait monter là-haut. Ah, je kiffe! C'est excellent, ça. Excellent. Je comprends tout. Je comprends tout. Et je vais refermer la trappe, elle sera là-haut. Au revoir. Tac. Yes. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai un truc là-haut. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais vas-y, sors, Coco. Parce que maintenant, il va falloir trouver où je veux aller, pourquoi et comment. Parce que là, on a déjà un truc qui fait pchit. Comment ça se fait que l'eau reste là-haut? Faut m'expliquer là. Je pense qu'il faut. Moi, il n'y en a pas à tout comprendre. Non, mais non! Oh! Terrible, ce truc. Ok. Monte, monte! Voilà. Pourquoi non? C'est dommage, l'idée était bonne, je pense. Je pense que l'idée était bonne, mais que ça a été mal exécuté. En fait, le truc, on va mettre ça en dessous. Voilà, à peine. Ok, donc là, on peut le déclencher. Fallait faire beaucoup plus tôt. Si, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça, oui. Ça va être bon, ça va être bon, ça! Mais what the fuck? C'est inversé, c'est ouf! C'est trop classe! Bon, c'est toujours si glauque, quand il y a juste des gens avec des trucs comme j'avais pour contrôler les gens sur la tête. Mais qu'on l'air carrément mort. Oui, mais c'est une porte, ça.
Est-ce que c'est le noyau central? Le truc qui dirige un peu tout le monde ou est-ce qu'on est en train d'enlever des... bah dis donc. Les vibrations, ça rigole pas là, je vous le dis moi. Ok. C'est assez cool. Ok, je me suis pas fait mal. On n'a plus aucun son là. Parce qu'on a encore la flotte au-dessus. Ok. Je peux choisir la hauteur de l'eau. Ah ouais, c'est bien fait. Ah, c'est bien fait, la vache. Donc le but, c'est que l'eau... Oh la vache! C'est ouf! Le but, c'est que je puisse juste rentrer dans l'eau. Voilà. Là, je pense juste à la limite. Tac, 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 tac. Voilà. Je pense que là... Je peux sauter dans l'eau? J'espère, en tout cas. Ah non, je peux pas sauter dans l'eau, je fais comment moi? Ah! Il me faut une caisse ou un truc. Ah, mais oui, mais. Qui dit. Non, non, la flotte. Pas de flotte, voilà, pas de flotte. Pas de flotte donc. Est-ce que je peux aller chercher une caisse? Y a des gens là? Non, non, je peux pas prendre les gens. Dites-moi que je peux prendre une caisse. Voilà. Voilà, c'était logique. C'était logique. Toujours un adulte avec un enfant, j'ai remarqué. Vache, j'ai bien fait de me cacher. En fait, je peux bouger la caisse sur le côté, c'est vraiment. Pas jouer au malin, hein. Je vais attendre que il se barre. Ils sont venus prendre des hommes encore. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'ils font, mais c'est pas cool. Donc là, il va falloir qu'on mette la flotte beaucoup plus bas pour pouvoir aller chercher la caisse. Voilà. Boop, 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 boop. Non, non, la caisse, je la laisse là. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Je laisse à la caisse. Allez, dépêche-toi, petit. Ensuite, je descends l'eau. Non, je monte l'eau. Juste pour que la caisse redescende, voilà. Je mets l'eau à la limite. Voilà. Putain, le silence est trop bizarre. On n'a pas l'habitude dans les jeux vidéo. Puis surtout, on n'a pas l'habitude d'avoir de l'eau qui est au plafond comme ça. C'est ultra bien fait, c'est impressionnant. Et voilà. Donc, c'est parti. Ok, je suis bloqué. Allons voir ce qu'il y a là-dessous. Ah, mais on retombe dans un. Oh, il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un.
des gens là. Le pauvre. Pourquoi me suivre? J'ai plus le masque. J'aurais une kiff, c'est tout, quoi. Ok, bah, suivez-moi. Ah bah ça fait 30 minutes. Eh bah écoutez, les gens ils me suivent, ça fait 30 minutes. On se retrouve pour le prochain épisode. Voilà. Et ben, c'était cool, j'étais très content. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à mettre des pouces bleus si ça vous a plu, à vous aussi. Et à commenter. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode, et puis pour ne rien louper, du coup abonnez-vous, ça fera super plaisir. Et on sera de plus en plus nombreux dans la communauté. Et ben, je vous fais un gros bisou, à très bientôt, ciao!